Ouais, je crois qu'on a fait une piètre prestation, on a été grandement demandé ce soir et j'aurais tendance à dire globalement toute l'équipe n'était pas là. C'est déjà dès le début du match où on prend je crois 6-1 d'entrée, il me semble, non, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on refait la même erreur qu'on a fait dimanche. On joue à la maison, on a besoin de points, cette équipe nous a battus au match aller. Et j'ai trouvé encore une fois qu'on rentre pas comme il faut dans un match. Alors après, sans doute, il y a des tirs ratés, sans doute il y a des pertes de balles, mais j'ai l'impression quand même que les premiers tirs ont des tirs qui ont peu de conviction. Quoi. J'ai l'impression. Donc on rentre très mal dans ce match, donc on se met déjà en grande difficulté. On arrive malgré tout à revenir au score. Et de nouveau sur la précipitation d'une équipe qui ne maîtrise rien finalement. Repartir avec 3 buts à la mi-temps. On essaie de revenir, on prend des kung-fu, on prend tout, et encore à la fin, on a une balle de moins 1. Je crois que c'est une balle de moins 1 qu'on balance la balle dans le touche. Bon, je crois que ce soir, c'était la totale. C'était la totale de très mauvais match. Très, très mauvais match, je crois. C'est assez rare que. Je ne sais pas, peut-être c'est peut-être un des plus mauvais matchs qu'on a joué ici. Et donc, je suis très, 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 très déçu, très dépité, surtout très dépité. Mais bon, la saison va être longue encore. Là, aujourd'hui, on rentre dans le rang. Et ce qui m'inquiète plus, c'est à la fois le jeu qui est produit et je dirais, je sais pas, je trouve que c'est une équipe qui joue un peu sans enthousiasme. Je sais pas, j'ai l'impression de l'extérieur. Je sais pas pourquoi, mais. J'ai pas l'impression qu'on croque comme il faut dans les matchs, même s'ils s'enchaînent. Je veux dire, c'est pas. Je pense pas que ça soit une question de fatigue, très honnêtement, c'est pas une question de fatigue. La fatigue, on a de quoi faire tourner l'effectif, on a de quoi. Non, c'est. Je sais pas. On va essayer de voir tout ça. Mais après, c'est très difficile d'analyser le jeu, parce que quand il n'y a pas les ingrédients dès le départ, c'est difficile d'avoir une évaluation qui est juste. Quoi. Là, c'est carrément impensable de même si je respecte l'équipe de Nîmes, mais c'est impensable, vu déjà ce qu'on a connu dimanche, de commencer le match en prenant un 6-1 à domicile. C'est pas possible. Je crois que c'est 6-1, là. Mmh. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quand même un manque de...